Bonjour à tous. Le soleil est revenu ce matin sur les régions situées le plus au nord après le passage de la perturbation. Regardez un petit peu ces images sur les Hautes-Alpes. C'est une des régions les plus favorisées en ce moment avec beaucoup plus de soleil, quelques passages nuageux mais sans aucune conséquence. Et c'est surtout ce voile d'altitude que vous voyez ici vers Prunières. Alors, nous avons notre perturbation qui a glissé sur l'ensemble de la France comme prévu. On la retrouve maintenant sur les régions situées le plus au sud et on a un régime de giboulée qui va se mettre en place aujourd'hui sur les régions au plus au nord. Alors surtout localement quelques averses de pluie, ce risque de grésil, le retour de la neige sur l'ensemble des massifs, des 1000 mètres d'altitude quand même pour les Vosges, le vent qui va souffler jusqu'à 70 km à l'heure et puis nous avons encore ce franc soleil autour de la Méditerranée qui résiste. Au niveau des températures, toujours trop frais pour la saison avec 12 degrés pour Cherbourg, encore 14 à Paris. Alors pour la suite, nous avons l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce soir qui va débarrer par la Bretagne en descendant vers la Charente-Maritime. On va donc naturellement la retrouver demain matin sur notamment le bassin parisien, la Normandie jusqu'aux confins du Massif central et en descendant sur le nord du Bordelais. Nous aurons beaucoup plus d'éclaircies sur le sud-est de la France, mais dans l'après-midi, ça va davantage s'ennuager sur le sud-ouest. Les pluies resteront encore bien soutenues sur le nord et sur le nord-est du pays et la neige va encore tomber des 2000 mètres d'altitude pour les Alpes du Nord. Au niveau des températures, vous l'aurez compris, ça reste encore un petit peu faible, avec 3 degrés pour Lille, 6 degrés à Strasbourg. Dans le courant de l'après-midi, les températures vont rester très douces dans le sud, avec 24 degrés à Perpignan, quand nous aurons plus au nord à peine 9 degrés pour Amiens. Alors pour la suite, on attend quand même cette masse d'air chaud qui va arriver enfin pour ce week-end, qui va remonter jusqu'au nord. Il faudra encore composer avec une journée de vendredi, malgré tout, qui sera plutôt une journée de transition sur l'ensemble de la France. Un petit peu plus humide sur le massif central et vers les Alpes, plus lumineux sur l'extrême nord. Et pour ce week-end, la fiabilité est encore un petit peu à confirmer, mais une petite perturbation devrait finalement glisser sur les côtes de la Manche, apportant un ciel plus nuageux sur ces régions. Partout ailleurs, ça restera très beau, très chaud. Et dimanche, nous aurons comme prévu les orages en fin d'après-midi qui vont arriver et les températures s'annonceront encore particulièrement élevées. Tout de suite, le journal Julien Bugier. Bonjour à tous. Une nouvelle perturbation est arrivée hier et elle continue d'avancer aujourd'hui maintenant sur les régions situées le plus au sud. Regardez un petit peu ces images. On voit bien la trace nuageuse qui est arrivée en Isère. Une autre photo, cette fois-ci en direction du Bas-Rhin avec le passage de la perturbation qui a porté surtout une trace nuageuse et puis localement il y avait quelques gouttes de pluie. Alors ça va continuer un petit peu aujourd'hui même si le soleil est bien revenu sur les régions situées le plus au nord. On voit bien la perturbation ici qui glisse maintenant vers le sud-ouest de la France et qui remonte vers les Alpes du Nord. On aura malgré tout de la pluie à prévoir sur ces régions mais ça restera très localisé. En revanche, plus au nord, on a vraiment des giboulées de mars qui arrivent en ce mois de mai avec localement de bonnes averses de pluie, un risque de grésil et de fortes rafales de vent jusqu'à 70 km par heure quand même à l'intérieur des terres et la neige qui va tomber pour les Vosges et le Jura des 1100 mètres d'altitude. Alors, pour les températures, toujours trop frais pour la saison. 12 degrés à peine pour Besançon, qu'on nous aura encore 25 degrés pour Nice. Et ensuite, pour votre journée de demain, on voit l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne, qui va glisser ensuite vers la Normandie, bassin parisien et massif central. Elle va continuer sa course dans l'après-midi en direction des Alpes et du nord-est de la France, avec là encore de bonnes pluies à son passage, de bonnes rafales de vent également. Et ce sera uniquement autour de la Méditerranée où le soleil sera particulièrement généreux. Les températures resteront assez fraîches dans l'ensemble avec 3-4 degrés sur l'extrême nord. On aura dans l'après-midi toujours des températures 2-3 degrés en dessous des normales de saison avec 13 degrés à peine pour Brest. Et ensuite, eh bien, il faudra encore composer avec un peu de fraîcheur jusqu'à vendredi avant l'arrivée de la masse d'air chaud pour ce week-end. A noter que vendredi sera toujours une journée de transition un petit peu plus chaotique et dès samedi, c'est vraiment l'été qui va s'installer pour tout le monde. On en parle dès ce soir. Très bel après-midi.